Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va infecter des gens. Alors, je pensais jamais faire une intro comme ça, mais on va vraiment infecter des gens. J'ai acheté un jeu où est-ce qu'on doit créer un virus et on doit le propager en fait dans le monde. Et puis, on va tout simplement commencer directement avec une bactérie. J'ai débloqué des trucs parce que j'ai fait une partie et ça ressemble drôlement à une bite, ou du moins... Un début de 8. Donc voilà, on va mettre en normal. Dernière fois, je l'ai appelé Hendrix. J'ai tué tout le monde. Non, Hendrix, on sait très bien que... Alors, on sélectionne un pays pour commencer. Est-ce qu'on commence au Brésil? Moi, je dirais... On commence par la Russie. On va aller infecter les Russes. Allez, ma bite est dans la région. Et puis là, on avance un peu pour avoir des points. Et avec ces points, on peut améliorer notre virus. Et puis, tout simplement, lui donner des trucs en plus. Donc là, on peut voir qu'on a déjà 8 personnes infectées dans le monde. Et donc, ils sont les 11 en Russie. On peut voir que ça avance quand même assez vite. Hein. Et puis, on peut aller voir... Voilà, on peut mettre les symptômes. La transmission, on va le mettre dans l'eau. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui boit de l'eau. Et puis, niveau symptômes, je vais mettre, je crois... On va mettre de l'eau. Et on va leur donner une petite nausée des familles, hein. Ça fait plaisir. Fait, la maladie évolue tranquillos. Et d'ailleurs, quand on avance un petit peu, on peut voir que la maladie évolue d'elle-même. C'est assez magique, j'ai manqué le point. Salut. Allez, on est déjà à 100 personnes. Alors, je dois dire que ça va beaucoup plus vite que ma partie d'avant. Parce que la partie d'avant, j'allais lentement. J'ai commencé par le Canada. Parce que je me suis dit, bon, je vais m'infecter en premier. Et puis, là, j'ai commencé par la Russie. Et ça va hyper vite. Genre, je suis déjà dans les 1000. Par exemple, le problème, c'est que pour le moment, ils sont infectés. Mais c'est pas létal. C'est pas létal, donc il n'y a pas de mort encore. On va juste attendre. C'est quand même fou parce que du jour au lendemain, ça peut... Ma bite arrive en Chine. Ok. Tu vois, du jour au lendemain, ça peut arriver. Il peut y avoir un virus qui se propage dans un pays. Et puis quelques années plus tard, bam, t'es pris avec ce même virus. Parce qu'il s'est propagé de personne en personne, de voyage en voyage. Tu vois, là, ça c'est toutes les... À partir d'ici, là... Oula. D'ici, là, c'est toutes les petits vieux qui partent en vacances, là, à Noël. Pendant qu'il y a de la neige. Ma bite a muté. Et fait des éruptions cutanées, maintenant. Mais voilà, on ramasse le plus de points possible. Ma bite a fait qu'un nouveau pays, ok. D'ailleurs, si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas, les petits pouces bleus des familles, ça fait toujours plaisir. Et surtout, putain, il y en a n'hésitez pas à me donner un nom pour le prochain virus qu'on va créer. Et puis, le laisser en commentaire, ça fait plaisir. Oh my god, vous avez vu la Russie comment c'est parti en couille? Ah ouais, ça commence déjà. Ouf, c'est plus fort que la tuberculose, ok. Ok, je vois que ma bite est en puissance, là. Bon. Allez, on va aller rajouter quelques petits symptômes. C'est quoi ça? Si j'arrive à le voir, s'il vous plaît. Évolution de l'anémie. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite toux qui se transforme en pneumonie? C'est plutôt pas mal. Qui ensuite, qui devient un œdème pulmonaire, je sais pas c'est quoi. Et qui ensuite fait une fibrose pulmonaire, des déchirements au poumon. Oula, des déchirements. Déjà, il y a déchirement dans le truc, tu sais déjà que c'est pas un bon délire. Éternuement, allez, c'est parti. Là, on va voir si ça va augmenter, là, parce que là, j'ai augmenté. Est-ce qu'on va avoir notre premier mort? La Russie est baisée. Et on a déjà nos premiers morts, on est à 64, 230, oh mon dieu, on est en train de tuer tout le monde. Russie, recherche un remède, ok. Ils recherchent un remède quand tout le monde est infecté, genre, ils ont pas remarqué que tout le monde se mettait à tousser d'un coup. Ils se sont dit, non, c'est bon. Genre la Russie est en train de mourir. Et ouais, ça se propage juste en bas, là, la Chine qui commence à être infectée. Au fond, je pense qu'ils ont pas aimé cracher leurs poumons. Arrêt des organes. Ma bite a muté. Nouveau symptôme, arrêt des organes. Je sais pas, si t'as des organes qui s'arrêtent, je veux dire, ta vessie, tu te pisses dessus? Tu te chies dessus? Ah ouais, chaud. Ma bite devient effrayante, plus ma bite devient dangereuse ou létale, plus les humains s'efforcent de la soigner. En Allemagne, il y a plus de mourants qu'il y a d'infectés. Et en plus, si on regarde la recherche, ils sont juste à 2%. Moi, j'ai déjà toute la Russie. Infecté plus de monde que le rhume. Ok, là on part sur Pimp my Virus. Puis là, ça va être... je suis désolé, mais ça va être au pire. On va tuer plein de monde. 75 millions de personnes dans le monde. Alors, vous voyez à quel point ça descend. La Chine est en train de mourir. On voit que ça descend assez vite. Recherche de remède est ralentie parce qu'on est en train de les baiser. Ah ouais, la Chine est en train de mourir solide. La Russie aussi, c'est incroyable. Ouf, la Turquie, première région à tomber par ma bite. Oh, mystère aux Jeux Olympiques.
Donc, Jeux Olympiques qui ont été annulés. On sait pas pourquoi. Ils sont à 25%. Ils sont à 25%. Nous, on est sur le bord de tuer la Russie. Je veux dire, désinfecter, c'est bon, ça va. La Chine, elle est morte. C'est bon. On a tué la Chine. Mais ça se traverse pas vers les États-Unis. Hein. Oh, les Jeux Olympiques vont avoir lieu au Brésil. Brésil. Et c'est pour ça que la transmission, on va la mettre dans l'eau. Et voie aérienne. Parce que là, on a boosté la bactérie. Mais on n'a pas boosté, genre, son moyen de déplacement. Donc, direct quand on va commencer à... L'insomnie, ok. Quand on va commencer à se déplacer vers le Canada, les States et Amérique latine, ça va être... Ma bite est maintenant sur la liste des surveillances. Ok. Déjà, elle est sur la liste des surveillances. Elle vient de raser la Russie et la Chine. Et ils sont comme, oh, on va la surveiller. Bam! On doit améliorer sa manière de se déplacer. Prochain coup, je vais mettre pour que ça se passe dans le sang, là. Toi qu'il y a quelqu'un qui aille là et puis qui se met à se piquer, je sais pas, il partage sa seringue ou une connerie du genre. Ils sont à 60%, je pense que c'est mort. Plus rien se passe. Je veux dire, il y a plein de pays qui ont arrêté Europe centrale. Exécuté pour empêcher la propagation. Ah ouais, ils sont comme ça en Europe. On n'avait pas dit. Oh. En Europe, direct, ça arrive, c'est ils font des exécutions pour pas que le monde... voilà, bah, l'Inde, elle est baisée. L'Inde, elle est baisée. 75% du remède, par exemple. Je vais essayer un truc. Je vais aller voir dans la capacité. Est-ce qu'il y a... je pense que ça peut être pas mal. On va être... Ah, ça avance trop vite. Ils vont trouver un remède. Ils vont trouver un remède, ça, c'est sûr et certain, je crois. Ouais, ouais. Ah, merde. Ouh là là. Ah ouais, attends, l'Argentine est partie en couille, là. Ah, ils vont commencer à diffuser le remède. Attends, non, l'Argentine est en train de se soigner, là. Comment ma bite est sur le point d'être éradiquée, là, ça marche pas, ça. Faites quelque chose. Ils vont soigner tout le monde, là, c'est pas ce qu'il faut. Ce que je fais, c'est cliquer sur... Wouah ! Wouah, la Colombie, la Colombie, d'un coup, bam. On est en train de lutter contre le monde. On veut détruire le monde. Oh là là, ça sent rien ici, là. Le Mexique. RIP le Mexique. On s'approche des States. Ça commence par ici. On récolte des points en attendant. On est juste à 10. On commence à avoir pas beaucoup de points quand même. Allez, ça s'en vient. Ça commence. Ça commence tout ce qui est Brésil. Ouh là, le Pérou. Le Pérou est complètement détruit. Ils vont tous mourir. Bon, ils sont quand même en soigner quelques-uns, mais voilà. Tsunami ravage la côte. Ouf. Ouf, le tsunami. Quoi? Non! Non! Bon, ben, ma bite a été éradiquée. C'est dommage. Voilà, je pensais vraiment qu'on allait gagner avec ma bite, mais finalement, ce sera pas le cas. Je vous invite à laisser en commentaire, encore une fois, le nom du prochain virus que vous voulez que je crée. Et puis, pourquoi pas retenter notre chance à détruire le monde avec un virus. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu de famille, fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien tout le monde. Peace.